proclamation des résultats des élections législatives du 28 avril 2019. La Cour, vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, vu la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, vu le décret numéro 2019-012 du 9 janvier 2019 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, 8e législature. Vu les procès-verbaux de déroulement du scrutin du 28 avril 2019 et les documents y annexés qui lui ont été transmis sous pli fermé par la Commission électorale nationale autonome. Après avoir, en sa qualité de juge souverain, de la validité des élections législatives, opérer diverses rectifications matérielles et procéder au redressement nécessaire. Considérant qu'au terme de l'article 81, alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Considérant que les moyens de preuve prise en compte par la Cour dans l'appréciation de la régularité du scrutin sont essentiellement les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement et les observations des membres des postes de vote. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents électoraux que dans certains postes de vote, des irrégularités ont été commises par des agents électoraux en violation de la législation électorale et porte notamment sur le défaut de procès verbal de déroulement du scrutin et ou de feuilles de dépouillement, la confusion entre les suffrages valablement exprimés et le nombre de votants, l'absence de mention du nombre d'émargements et de dérogation sur le procès-verbal de déroulement du scrutin, le mauvais remplissage du procès-verbal de déroulement du scrutin, le défaut de décompte de voix par pictogramme, le défaut d'indication du nombre de voix par un chiffre arabe à côté des pictogrammes, le défaut d'indication du code d'identification du poste de vote, le défaut d'annexion des bulletins considérés comme nuls au procès-verbal de déroulement du scrutin, la confusion entre bulletins nuls et bulletins valides, l'absence de représentants de candidats à certains postes de vote. Considérant qu'outre ces irrégularités, des actes de perturbation des opérations de vote ont été relevés dans certaines circonscriptions électorales, considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Considérant que sont inscrits sur la liste électorale 4 992 399 électeurs, que le nombre des votants constitués des électeurs qui ont valablement exprimé leur suffrage et de ceux qui ont déposé des bulletins qualifiés nuls est de 1 353 955 électeurs, que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre de votants et le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, est de 27,12%. Considérant que, conformément aux dispositions des articles 81, alinéa 2 précité,
52 et 54 de la loi organique du 4 mars 1991, modifiée par la loi du 31 mai 2001, la Cour a procédé au recensement général des votes, vérifié la régularité du scrutin et arrêté les résultats des élections législatives du 28 avril 2019. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 242 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2019 portant code électoral, l'attribution des sièges aux deux listes en compétition est faite selon le système du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne. En conséquence, proclame élu à l'Assemblée nationale au titre de la 8e législature les candidats des partis suivants: Union progressiste, Issa Salifou, Seydou Alassane, Sina Ounengi Biok Gounou, Mora Sani Saré Malik, Nouemou Konyeme Domitien, Nyampabou Bounja Jacques, Nyombo Choropa Thomas, Rouimbo Kokou Lucien, Ahonoukou Tosou Marcelin, Adjovi Mathieu Beblodo, Bada Georges, Renfort Sonayon Epiphane, Noutaï Torkoyon Nestor, Akibou Soro Yara Worou, Worou Se Gene Yakoubou, Lafia Saka, Chobo Valère Derouillon, Agua Asoba Edmond, Akaworu Marcelin, Alosson Richard Kokouvi Djinro, Benonchi Gérard, Homeki Selboun Oswald, Adomaou Jérémy, Mende Wanou Kofi Ernest, Serge, Afo Obo Ahmed Tidjani, Kobrevi Delonis Djimeko, Medegan Fagla Sedami Romaric, Agemon Badirou Din Olorde Otoniku, Zizinoué Daniel Abraham, Aladatin Jean-Baptiste Orden Rosé, Nombime Agbodranfort Comlan Patrice, Gaillon Comlan Charles, Sosou Dakwe, Kapo Maouyon Thomas, Razoumé Nouboyon Hippolyte, Ronsa Victor Mitondji, Biokou David Camille Bosset, Agbodjeté Ronsa Justin, Aronvo Ebla Sedogbo Augustin, Bokové Léon, Vlavonou Beounou Louis, Abiyose Abdou Razak Olalandou, Babatunde Ibitecho Jean-Pierre, Nouati Fortuné Alain, Atropo Luc Setondji, Yerwetome Boniface, Ake Natonde, Bloc Républicain, Bako Arifari Nassirou, Kate Sabahi, Kassa Daoga Barthélémy, Bangana Gilbert, Gounou Salifou Abdoulaye, Nda Antoine Nda, Toin Cyprien, Houdegbe Octave Kossi, Sokpo Epe Nathanaël, Bian Robert, Kora Gounou Zimé, Badamassi Rachidi, Bagoudou Zachary Adam, Babamoussa Mariama, Okunde Kotipa Jean-Eudes, Akbovi Eustache, Okunlola Biaou Akambi André, Bamba David, Zoumarou Wali Boda Maboudou, Youssoufou Abdou Ramani Bida, Biotchane Abdoulaye, Badamassi Abdel Kader, Ousmane Ibouraïma, Aï Dedevi Eugénie Chantal, Anani Amavi Joseph, Daïro Rosine, Chanou Sofiat Modi Sola, Benametor Sedozan Jonas,
Benou Paulin, Kouanou Nyolonfin Mathias, Bissiriou Emiola Awaou, Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé, Achawe Dominique Kovi, Sado Nazaire, Yawedeou Janvier, Réromain Hervé. Soit un total de 83 sièges répartis comme suit par circonscription électorale. Première circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 1 siège. Deuxième circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 1 siège. Troisième circonscription, Union progressiste 1 siège, Bloc républicain 2 sièges. Quatrième circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 2 sièges. Cinquième circonscription, Union progressiste 3 sièges, Bloc républicain 2 sièges. Sixième circonscription, Union progressiste 3 sièges, Bloc républicain 1 siège. Septième circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 2 sièges. Huitième circonscription, Union progressiste 1 siège, Bloc républicain 3 sièges. Neuvième circonscription, Union progressiste 1 siège, Bloc républicain 2 sièges. Dixième circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 1 siège. Onzième circonscription, Union progressiste 3 sièges, Bloc républicain 0 siège. Douzième circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 1 siège. Treizième circonscription, Union progressiste 0 siège, Bloc républicain 2 sièges. Quatorzième circonscription, Union progressiste 1 siège, Bloc républicain 1 siège. Quinzième circonscription, Union progressiste 3 sièges, Bloc républicain 1 siège. Seizième circonscription, Union progressiste 3 sièges, Bloc républicain 2 sièges. Dix-septième circonscription, Union progressiste 1 siège, Bloc républicain 1 siège. Dix-huitième circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 1 siège. Dix-neuvième circonscription, Union progressiste 3 sièges, Bloc républicain 2 sièges. Vingtième circonscription, Union progressiste 3 sièges, Bloc républicain 2 sièges. Vingt-et-unième circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 1 siège. Vingt-deuxième circonscription, Union progressiste 1 siège, Bloc républicain 1 siège. Vingt-troisième circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 2 sièges. 24e circonscription, Union progressiste 2 sièges, Bloc républicain 2 sièges. Dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation de sièges de députés. Ordonne la publication de la présente proclamation au journal officiel.